entre deux Suédois. C'est ça, donc une demi-finale entre les deux Suédois. On attendait plutôt Borussia Dortmund sur le dernier match, sur la finale. Parce que c'est vrai que c'était là où c'était l'un des favoris de ce tournoi et finalement ils se retrouvent là dans cette demi-finale de la deuxième place. Et bah, Borussia Dortmund, il est tombé contre un joueur qui a impressionné vraiment toute la planète ce soir. C'est Vinch qui est devenu champion de France il y a quelques jours. Il a réussi à s'imposer contre Borussia Dortmund. Vraiment une grosse performance. Il a emmené l'un des meilleurs joueurs du monde de l'histoire à la troisième place. C'est un petit coup que ce sac à dos joue avec un petit peu. Je sais pas si c'est organisé, mais je joue avec ce sac à dos. Qu'est-ce qu'il a dans ce sac à dos? À chaque fois qu'on le voit jouer, on croit qu'il sort de l'école. C'est juste pour bien. Il a son sac à dos à chaque fois. C'est donc Asura, c'est un joueur qui s'est qualifié en ligne.